Voilà, nous sommes venus pour constater de visu la situation des populations déplacées de Gorumbach et de Gerdar, ici à Khariala. Écoutez, je suis peiné de voir cette situation. C'est une situation qui est douloureuse. Parce que les populations, comme on l'a constaté, vivent dans des conditions très précaires. Donc c'est une démarche pour venir constater, mais aussi et surtout une démarche de solidarité vis-à-vis de nos concitoyens qui vivent en ce moment une situation extrêmement difficile. Et la solidarité est au cœur de la vision de notre mouvement Sénégal Boubès. La solidarité et l'équité sociale, parce que nous estimons que dans de telles situations, l'État doit venir au secours des citoyens, surtout pour un besoin aussi crucial que le besoin de logement. Et nous, dans notre vision et dans notre démarche, nous plaçons les citoyens au cœur de l'action publique. Et nous espérons que cette situation ne durera pas longtemps, parce que c'est une situation qui ne peut pas durer longtemps. Ces conditions sont très précaires. C'est vraiment un message de solidarité et aussi un message d'engagement, parce que nous sommes nous préparons une campagne électorale et nous voulons assurer les populations que si les Sénégalais nous font confiance, l'État assumera totalement ses responsabilités en termes de solidarité vis-à-vis de nos concitoyens pour trouver une solution durable à leur situation actuelle. Comme je vous l'ai dit, la précarité. Parce que franchement, ça fait mal au cœur de voir des populations vivre dans cette situation depuis 7 mois. Et nous espérons que les autorités ont pris les dispositions appropriées pour régler cette situation dans les plus brefs délais. En tout cas, nous prenons l'engagement net, clair et ferme que si les citoyens sénégalais nous font confiance, nous apporterons une solution durable à cette situation.